Je ne ferai peine à personne parmi les autres qui n'ont là-haut. Et ici, selon la tradition, je vous remercie d'être là comme toujours. Première remarque pour passer, c'est le budget. Après qui le Premier ministre et le ministre des Finances fin résume les débats. Est-ce pour répéter qu'il y a un désaccord fondamental avec le gouvernement actuel? Parce que pour nous, le budget qui finit là, je répète, dit, il n'est pas fin un budget de relance ni de rupture avec le langage de vérité qui nous réclamait et la politique économique qui l'alliance actuelle in pratiqué depuis dernière élection générale. Mais naturellement, comparé au délire, à la folie furieuse, au délire de l'année dernière, de l'Otmina Raïdou, il est quand même différent. Il y a quand même une différence importante entre les deux budgets en l'espace d'un an. D'ailleurs, le Chimène Raïdou, en sa présence, il gagne son gifle avec Sir Aniru Jagnat, qui ne vient désavouer seulement, nous l'oublier vite, qui lit avec le Chimène Raïdou, qui supposait faire un miracle, une selle, un team, dream team, on rappelle. Et par on était une bonne année plus tard, lui donner une calotte, le Chimène Raïdou, devant nous tout. Mais moi, qui lui donne même une calotte, pour penser. Et après la gifle du Premier ministre, le silence total de Pravin Jagnat. Comment il n'y a pas de un budget? Il va-t-il dans le gouvernement, là, il n'y a pas de un budget, il y a un an de cela. Un silence total dans le budget précédent. Sans précédent, ça. Je ne regrette pas que les discours budget. Jamais mon tour un ministre des Finances dans le même gouvernement qui ne va faire aucune référence au budget d'un an de cela. Mais tout cela, il est bien éloquent. Et quand Aniru Jagnat et Pravin Jagnat peuvent comprendre de sa façon-là, en vérité, je peux reconnaître ce qu'ils nous ont toujours dit, c'est-à-dire qu'ils finissent perdus une bonne année avec le budget de l'Otmina Raïdou. Et un an plus tard, ce budget-là, pas un budget de relance et de la création d'emplois. Je vais préciser une affaire. Il y a quatre mesures qui m'ont dit pas de mesures intéressantes dans le budget de Pravin Jagnat. Quatre mesures. Et là, ces quatre mesures-là, il y en a un, les quatre, qui m'ont dit bravo. Les trois, les autres, non. Je me rappelle ce qui m'ont dit dans mon budget. Les quatre questions qui m'ont dit, moi, je trouve intéressantes, c'était le combat contre la pauvreté, un effort pour mes enfants handicapés, les autres, l'éducation, le CSA et mon SMIs. Mais là, ces quatre points-là, dans un seul point, je finis de dire bravo. Parce qu'ils tiennent bravo mérité dans le cas des enfants handicapés et autres, l'éducation. Mais quand je rappelle autres dans mon discours concernant le combat contre la pauvreté, ce qui m'a dit, il y a une déception. Et moi, je donne les raisons qui fait à mon pas pour éviter l'eau là. Mais moi, je servis le mot une déception. Il y a une grande annonce, mais après, quand on guette les détails, une déception. Concernant le CSA, bon, pas capable de faire pire qu'il a tunnel Raïdou qui fait un an de plus tôt. Seulement, le TM qui m'a servi, c'était le ministre a hérité du chaos causé l'année dernière par son prédécesseur, mais les mesures annoncées ont seulement ouvert un chantier sur lequel il faudra beaucoup travailler. En d'autres mots, il ne peut pas résoudre grand-chose. Ah, c'est à la balle discuter.
CSA par CSA. Et enfin, le cas Ban PME, là encore, un an plus tôt, il y a un bluff total de le Tuminaraïdou, un délire, surtout dans ce cas-là. Et ce qui m'a dit, tout est à refaire. Et mon récit les mêmes mots, tout est à refaire dans le cas de Ban SMIs, et on est en droit de s'inquiéter lorsque le gouvernement compte surtout sur la banque de développement pour aider le secteur. Qui fait opérer Vino là parce que dans certains milieux de la presse, il présente les choses comme beaucoup plus positifs que moi, dans mon discours, mon diété. Voilà quand nous étions, après qui Aniru Jagnat, nous fait quoi dire, il parti là l'année dernière, il est avec le Tuminaraïdou, nous partis ensemble, parti promettre un miracle économique. Et qui, Pravin Jagnat, de son côté, pas si capable de faire pire qu'il a tué Radoué, non? Mais ce n'est certainement pas un budget de relance et de création d'emplois et de rupture. Et c'est pourquoi nous disons, nous avons un désaccord fondamental avec le budget de Pravin Jagnat. Deuxième remarque, MMMSM. Ceci dit, pendant les débats le budget, une rumeur de rapprochement MMM-MSM fin intensifiée à cause, manière, ça causait une mesure positive, une répétée, une amplifiée, et aussi par le fait qu'Héritage City monte le pied. Le fait qu'Héritage City disparaît, il donne l'impression, il ajoute à sa bande causée MMM-MSM. Laissez-moi dire catégoriquement, peinant rapprochement MMM-MSM, et le MMM se prépare activement à aller seul aux élections générales. C'est d'abord une question avec plaisir plus tard. Mais mon Rédiali, peina rapprochement MSM, MMM. Au contraire, mon rappel Zot, qui est dans une conférence de presse la semaine dernière même, nous fin dénonce ce qui moi appelle une forte odeur d'affairisme autour de l'affaire Apollo Omega A. Et du projet de raffinerie à Albion. De plus, aujourd'hui, me tenir à dire, aujourd'hui, nous en présence d'une information très inquiétante à l'effet qu'un système de corruption et de money laundering institutionnalisé en train d'être mis en place. Nous bien inquiets et nous poursuivons, nous poursuivons de très très près ce bon développement. Par ailleurs, nous prenons aussi note de comportement Saraniru Jagnat, le Heritage, l'affaire Heritage City et l'affaire Trilochan. Pour moi, c'est de la lâcheté. Ne mot pas trop fort, c'est de la lâcheté. Si nous t'y arrivons, quand nous t'y arrivons, côté Heritage City, c'est à cause de lui. C'est lui le Premier ministre. C'est lui qui nous donne feu vert à Badin. C'est lui qui nous encourage Badin. C'est lui qui nous nomme le High Powered Committee qui, soi-disant, suive le dossier. C'est lui qui régulièrement il préside le conseil de ministres qui encourage le projet. Et vous vous dites, les autres là-dedans, ils pleuraient. Bon projet, mais ils sont mis en minorité. Et où là? Depuis quand ils sont en minorité? Ils ouvrent, ils font ce qu'ils font, mais c'est de la lâcheté ce qu'ils peuvent faire, leur héritage. Là, bientôt, on va trouver pour foutre tout l'eau les deux badins. Alors, c'est lui le premier responsable.
Il y a l'affaire Trilotan, il ne vaut mieux pas causer. Son ministère, ça dépend de l'Oli, ça. Moi, manière me trouver, il est bien connu. Toute l'affaire Trilotan. Et ça aussi, c'est une lâcheté. Mais quand ça fait la vigne trop ça, hein, il rentre dans la frise. Et pour un rapprochement avec sa qualité Premier ministre, avec sa qualité MSM là. Et dans sa match, Badin sans peur là aussi. Il est ridicule. Mais pas juste pour Aniroud Diagnat. Son garçon, avant de venir Premier ministre, commence comme ça. Il y a un top advisor, il dit top advisor, il a une là-bas, avec mon encouragement, pas suspicion, s'il vous plaît, sur l'encouragement. Après, quand un ministre vomit le lit, il suit. Montez pour braver une diagnate aussi. Mais tout ça là, à part le côté ridicule, tout ça là montrait qu'Aniru Diagnat n'est plus et n'a aucune autorité l'Osoban ministre. C'est un bazar. Aniru Diagnat n'est plus et n'a aucune autorité l'Osoban ministre. En fait, nous n'est plus et n'a un Premier ministre. L'autre fois, moi, si j'ai un Premier ministre digne de ce nom, mais ça fera là digne de ce nom là aussi, moi, je ne veux pas dire. Quand nous guettons tout ça là, les clercs qui l'île Maurice n'est plus. Et il y a un Premier ministre. Et si Badin, moi, je me convaincu, moi, dans mon renseignement, si Badin, encore ministre, c'est uniquement parce qu'ils ont perdu une élection partielle à quatre boules. Moi, j'ai mes sources de renseignement à l'intérieur, même ceux qu'ils ont dit entre eux-mêmes, mais qui m'a un pays pour rouler. Un ministre hein, donne des positions contre le principal conseiller du ministre des Finances, mais resté, parce que la raison, c'est que je perds une élection partielle. Mais tout ça là, très très mauvais pour le pays, et montrez-nous qu'il a pris Aniroud Diagnat commence mal. Très mal. C'est tout ça que je voulais dire pour aujourd'hui, la situation post-budget et la situation politique actuelle, le bazar actuel. Moi, j'ajoute deux commentaires. Un, l'ORT. Liban, qui Heritage City, in bloqué et qui ban fond. Que tu fous les milliards que tu pourras engloutir dans Heritage City Project, in envoie l'eau et l'art. Ni bon. Nous amenons nous zigzaguer, nous, depuis le gouvernement 2000-2005, quand nous prenons décision, pas de l'avant avec l'art. Jamais nous zigzaguer, nous, contrairement à tous les autres. Mais seulement le fait est. Que ce dossier-là, il a été très mal handled par Bouda et PNA beaucoup confusion par la faute de Nando Bouda. M'obligez à poser la question, est-ce qu'il décision poil de l'avant infini prend ou bien est-ce qu'il décision pour prendre à la lumière d'un study? Il y a une étude qui je te demande à sa même corporation de Singapour, je te demande à la banque singapourienne, de faire un update de feasibility study qui va en singapourien te faire dans le passé et pour guetter qui sont coupés été. Maintenant, qui peut le guetter là? Maintenant, qui m'a dit Singapour, il peut revisiter le coup. Mais l'impression que nous gagnons, c'est que le gouvernement, avant même qu'il s'a l'étude qu'il ait une commandité là lui-même, avant même qu'il ait gagné sa l'étude de Banque Singapour, avant même qu'il ait connu combien finalement ça pour coûter,
Je rappelle, sur Ramgoulam, il y a 25 milliards. Après, après la dernière élection, les temps ont une sens d'opinion, ah, j'avais nous ne coupons plus. Je ne sais pas, pour un moins la route, pas pour un moins rail, je ne pas connaître moi. Une saute 25, soit j'en ai 15. 15 milliards, comme par magie. Et Astel, il me demande, tout ce qui se tient à Ramgoulam, tout c'est extraordinaire. Tout ce qui se tient à Ramgoulam, il s'abandonne Singapourien là. Moi, donc drôle, comme Singapour, il a resté. C'est moi, l'argent peine à l'ODR. Il a l'argent peine à l'ESO. Après, tu sais qui je t'ai dit, le Ramgoulam, il a Singapourien. Singapourien même qui gagne responsabilité de update feasibility study et de dire à nous combien il va coûter. 25 milliards, 30 milliards, 15 milliards, 17 milliards, 3 quarts. Une badinaise. Dangereux badinage. Même pas connaître, c'est pas une feasibility study, ça, non. Bodadia, non, un update de feasibility study. Et m'aurait dit à autres, ils nous pas même connaître, manière présentée un coup. Puis attendre ce rapport, là, l'autre coup, il finit décidé. Peu importe le prix, le coût qu'il y pouvait être, il finit décidé. Et la question demeurait, quelle manière il faut financer, si elle de l'avant. Parce que, merci encore une fois, Alain, et là, évidemment, moi, je suis lasé. Maurice dit à autres, ça va de milliards qu'il a ni donne Maurice, là, c'est une compensation pour ça, l'amendement qui nous a amené à double taxer. Je n'envoie pas. Et merci, Alain. Et au moins, Alain, pas fait couillon du monde, sans raison, Alain, il donne nous. Ça va de milliards de dons, pas de loan, pas de line of credit, de dons. Au moins, l'un, sans dire, mais il est clair que c'est une compensation, comme on peut dire. Mais même ça, ça va de milliards qu'il a, puis de nous là. Reste des milliards et des milliards à trouver, si pas de l'avant, et qu'elle a tiré. Et ça va nous l'argent qui soit disant Soudan, il nous ramène depuis l'Arabie Saoudite. Marie, coûte cher ça. Quand il y a des pourcents bas, des pourcents dollars, l'OTAN banané. Donc le financement de LRT. C'est pourquoi là, Parlement, il n'a pas pu siéger pendant quelques jours. C'est pourquoi parmi ban PNQ, lequel me pourrait venir à la rentrée. Pour un certainement LRT. Dernière remarque, Rodrigue. Je suis bien content qu'il, comme on peut, à nouveau NPNQ. Parce que moi, il est bien important qu'Ivan Rodriguez, Ivan Rodriguez connaît, qu'il y a du monde qui care for them, l'homme mainland Mauritius. On fait mon devoir, et hier, je suis bien content qu'il commence à poser une deuxième PNQ. Il fait une bizarre dans sa deuxième PNQ là pour qu'il prenne la décision d'aller ban compensation qui peut donner ban victime, ban éleveur, à Rodrigue et à Maurice. Laisse ça, sa frustration, sa indignation qui s'est nourrie pendant des jours et des jours. Finalement, ben, tant mieux, mieux vaut tard que jamais. Quand même, même Aniro Jagnat, là, c'est un premier ministre mieux vaut tard que jamais. Tout ça fait mieux vaut tard que jamais, mieux vaut tard que jamais. Moi, bien content qu'ici, sous nos pressions, nos réclamations, il n'a rien. Et deuxièmement, il est bon aussi que le ministre India, sa période, quand il a interdit à sa banne, c'est interdiction, l'eau, toute importation de Rodrigue. Il n'est pas pour dire une foule 3 ans. Tu donnes nous ça, mais 3 ans pour qu'il bande Rodriguez, Rodriguez, ben élevé, pas exporte, non, rien. Mais il est tolérable, pas pour grave ça. Mais là, au moins, hier, le ministre, il dit non, il est possible qu'il y moins. Qu'il quantité moins, tu vas connaître, mais qu'il y moins. Mais finalement, donc ça débon quelque chose qui ne saute.
Mais finalement, les moins qui 3 ans, mais il y a 2 ans et demi, il y a 2 ans, whatever. Mais ça va me dire, vous l'avez bien, hein? Une compensation, c'est pour moi une bébête qui me touille, malheureusement. Mais assistance, support financier, matériel, c'est parce qu'il n'y a pas de foutu exporter. Donc, quand on insistait là, on demandait aussi, est-ce que l'Assemblée régionale de Rodrigue, il fait la bonne proposition? Qui fait, parce qu'il nous respectait l'autonomie de Rodrigue, nous respectait le rôle de l'Assemblée régionale, 100%. Alors là, le ministre, il me répond de moi, qu'il y a un comité interministériel qui me met sur pied, présidé par le ministre des Finances actuel, et il peut ça aussi, si pas, qui assistance, qui aide, capable de donner un éleveur de Rodrigue, qui pour victime de sa interdiction, de sa banne d'exportation vers Maurice. Merci. Si nous capables, recommence depuis le commencement, c'est-à-dire un dernier commentaire maintenant que le budget est à la lumière, un commentaire de Andrew Jagnat et de Pravin Jagnat en tant que Premier ministre et ministre des Finances. On passe à la parole. Donc, c'est qu'il y a une nouvelle dynamique, technique, réaliste, qui vous peut dire, ce que vous dire. Vous ordinez bien la leadership du pays, dit tout. Je vous dis, mais, vous pas quoi, il y a une dimoune d'Amoris qui dit ça, une équipe unie, compétente. C'est un bazar, mais là, encore, nous sommes dans un joli bazar, Maurice, nous pouvons insister bazar, mais on peut dire ça. Mais ce n'est pas le gouvernement qui nous est là. Mais il va pas dire, si pas MSM, tout ça là, il veut dire, nous préparons-nous pour aller dans l'élection tout seul, pour gagner l'élection tout seul, et pour vous le pays. Pas question qui ont des MMM, cost de force à une élection. Évidemment, on comprend. On félicite tout, mais la quantité, on a insisté qu'il y a un rapprochement là. Non, on ne peut pas qu'il y ait un rapprochement. Ah, mais non, mais non, qu'il y a. Vous savez là, oui. Vous savez là, bien, comment dire. Quand vous pouvez dire, vous pouvez insister qu'il n'y a aucun rapprochement. Mais il veut tout dire. Et quand vous pouvez doubler ça avec un cause qui je peux dégringoler complètement. Donc, vous dire Jean-Marc, pas lui. Too much into it. Pas lui, non, rien tout. On dit, peine aucun rapprochement. Et nous pouvons préparer, nous parler dans l'élection seule et gagner l'élection seule. Donc, on peut confirmer un peu ce que Duval dit dans l'hôtel. C'est-à-dire? Il dit qu'il peine un rapprochement, il y a l'assurance qu'il peine aucun rapprochement entre le MSM et le MMM. Dans l'hôtel, ça dit. Vous connaissez qu'il y a une affaire, ça veut dire, mais... Non, seulement, parfois, vous me disiez pour quelle raison, d'après moi, ça a causé un rapprochement là, il est là. Mais qui vous... parfois, il y a des affaires un peu enfantin. Alors, parce qu'il m'a dit, il y a certaines mesures intéressantes. Il y a une qualité d'espoir, ça. Je ne vais pas vous dire non, hein. Sa qualité d'espoir qui n'est pas dans certains milieux, mais c'est partout. Mais sa qualité d'espoir qui n'est pas là, donc ça qui commence tout. Mais une réaction enfantine, exagérée, complètement. Il y a aussi la force avec laquelle je complément tout. C'est là. Complètement. Mais ça aussi, ça manque à revenir à son discours. Bien moins qu'il y a l'année, il y a un an avant, mais ni négatif vis-à-vis elle-même. Pas le réveil. Ça m'a ouvert un discours. Si nous prenons, si nous laissons obnubiler pas une partie seulement. Ce qu'il y a bien, c'est bien différent d'un an d'avance. Il y a un an avant, là c'était du délire. Y compris vis-à-vis elle-même. Il délirait ça, mon homme, là, après l'élection. Quand débat, il est dans le discours programme, ensuite au premier budget, mais il délirait. Mais
Et au fil de l'année, j'ai rencontré. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas dire, oui. Grand matin, il me démentit catégoriquement. Mais, cher mon ami, il vient mieux renseigner que moi, il y a une signe au adviseur. Il finit de répondre pour moi. Vu que c'est un système de corruption institutionnalisé, vous avez décidé de le rapport. En temps et de mots qui viennent en détail, ils m'ont bien tracassé. Et le mot mafia profond. Et une petite mafia qui peut développer, qui me peut suivre de bien bien près. Non, on peut causer en général, moi. Pas comprendre mon travail. Bon. Ce qui m'ont dit, Ali, disait, oh là là, il n'y a rien à voir spécifiquement avec. Non. C'était une petite mafia de laquelle vous pourrez venir. Ils m'ont connu tout pas assez stable pour bien travailler. Est-ce que tu as pris pour normalement, il a dit que tu ne peux pas le voir. S'il n'est pas là, on ne va pas pouvoir m'appeler. Je suppose qu'il y a une urgence à dormir, Théo. Il est dormi dans pas le nom. Bon, l'économie, le budget. Ah ben, il finit des bordeaux. Il vient des bordeaux, MMSM. Les mots qui promènent, j'ai autant de questions qui je t'en envie. Je serai Tchanna, il y a été peut-être déjà des relations entre les familles de la classe. Un côté, oui. En fait, mon corrigement, pas entre moi et lui, entre moi et Dimon qui est en place, tu l'as et nous. C'était vrai même un an avant. Mais c'était de la folie furieuse, c'était un délire quand même. Si vous tirez à nous, tchaka. Mon Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon promet. Mais quand même, nous causons quand même entre le discours de Pravin Jagna, qui part, un discours glorieux, qui part un discours fracassant. Mais quand on part le discours qui nous pas d'accord fondamentalement avec. Quand vous comprenez ce discours, sur l'attitude, sur le commentaire, avec le délire de le Jumel Raidou et Jagnat. Mais vous voulez l'attitude pas différente. Et après, ils répondent. Ils répondent dans une question, on pose une question. Ils répondent, ils ne peuvent pas répondre tout là. On peut barrer la caisse, puis dis-moi, on peut venir à Apollo. Ils ont oublié, 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 ils ont oublié. Et pas une cause. Mais c'est plein d'autres. Vous connaissez. Mais c'est Laurent. C'est en réponse à Reza. Mon parti là, vous devinez qui. Avant, là, si j'ai qu'on finit une copie. En tant qu'il dit de l'occasion, on les dit, hein. Il va faire un bien, sans peur. Directement, comme le dit de l'opposition. Non, non, il n'est pas péré. Pas péré voir, non. Il fait le commentaire. Avec raison d'ailleurs, puisqu'il y a une députée qui est ça aussi. Vous pouvez dire qu'il y a un petit peu de moi, c'est pas mon attitude d'insensé. Mais, comme ça, quel fond le monde a fonctionné. Raison soulève ça à la journée, prévient l'occasion, le ministre des Finances lui donne l'éclaircissement, vient rassurer. Mais vous voulez me pas approcher dans quelque chose comme ça. C'est comme ça qu'il parle, le monde qui faisait normalement fonctionner. Pas comment, Ali Oudjak n'a fait aller fonctionner. Pas comment, le cinéma a fait aller fonctionner. Pas comment, Barret fait aller fonctionner. Pour ma bonne demande de démission, ma dernière fois. Non, il n'est pas une demande de démission, c'est qu'il me dit, il est fini, soit démissionner, soit gagner fouler. Il n'est pas besoin de mêmes affaires. À chaque fois qu'il parle, moi, c'est vrai. Mais,
ce qui n'est arrivé dans ces affaires héritées de là et dans les autres affaires. Seulement, encore une fois, la lâcheté, c'est quelque chose qui m'a plus détesté dans la vie. Et à nouveau, Diagnac peut faire preuve de lâcheté, l'eau, lâcheté. Là, c'est une responsabilité. Mais dans le cas de l'eau, j'ai senti qu'il n'y a pas pour loin d'avoir une élection générale anticipée. Mais qui m'a dit, comment budget finit pour avoir un développement politique? Non? Ah ben là, qui paye dans la match, mais c'est ça qui est là. N'est pas là, mais là, on est papa. Là, MSMP, je vais dans le week-end. Pas dans le week-end, demain. Plus poussé, il était. Qui m'a dit pour t'être insatisfait là, qui m'a dit pour coller, comme j'ai raté, rafistolé. Il n'est pas si difficile de prévoir qui, comme un budget des Yannou, fait d'artifice à tous les sens. Mais là, ou quoi, franchement, un pays capable de continuer à rouler dans la situation entre et n'a pas Pavin Jagnat, Badin, sans peur. Et ajoute dedans en Iro Diagnac ou quoi France, même pays comme ça. Un gouvernement comme ça qui a continué. Mais seulement comment on peut dire pays qui peut payer les arrêts. Là, nous arrivons lundi, personne n'est plus causé même budget. Vous satisfait le fait qu'il ban pour ça musée budgétaire pour ban pauvre là, puis faire dans CAB. Puis on reste ban du monde dans CAB. Si mais pas tu disais, même enregistré. Ça, moi, pas, là, moi, pas d'accord du tout avec Pravin Jagnat, mais si à toi, avec le ministre de la Sécurité sociale, pas moi qui n'ai très discours budgétaire, Pravin Jagnat. L'une donne le discours, et l'une dit catégoriquement, comment on dit l'India, tout ça, l'India chiffré le nombre, 13 267 familles. Non, mais c'est pas un gouvernement, ça, François. Roupan, dans ce estimé, la vraie dire estimé, il dit, mais naturellement, il dresse ça. Il inclut, il en fait un relevé, il inclut 13 267 familles dans ça. National Register, Mauritius National Register, c'est un jour. Et Pravin Jagnat vient dire tout d'une catégoriquement un nouveau à la Wells pour éradiquer la pauvreté absolue. Et tout ça, il écrit à ça. Et il dit ça, tout pour gagner sa nouveauté. L'État m'a demandé, c'est-à-dire qu'il va le faire un. C'est-à-dire là qu'il faut faire un survey pour guetter qui s'aime pour gagner. Et où là? Ça, c'est un. Moi, je ne sais pas de vos déceptions, mais c'est un volte-face inacceptable vis-à-vis de la pauvre. Oui? Anything else? Concernant la fièvre acteuse. Oui. Là, maintenant qu'il est confirmé que le virus vient de l'étranger, au moins. Non, mais tu es obligé de venir de l'étranger, ouais, c'est dans quelle région encore moins, non, mais encore moins dans ma cargaison de animaux qui sont rentrés. Et c'est bien la nécessité d'un renforcement de sécurité au port et à l'aéroport. Parce que je connais qu'il y a dans quelques temps de cela. C'est dans une mouche des fruits qui s'est libérée. Non, l'éclair qui n'a pas la peine. J'espère que le ministre Siratan, que tu as les leçons, et qu'il peut prendre une mesure pour renforcer sécurité et contrôle. Mais l'éclair qui n'a pas la peine. Moi, un peu sceptique, hein. Qui premier coup, tu trouvais telle variété de ce virus-là, ça. Après, ne trouvez pas dit ça. Supposé. Là, c'était là, il dit, tu crois, de la région africaine. À c'est l'Indien, non, l'autre région. Moi, je reste un petit peu sceptique de tout ça. Là, hein. À nous prendre les temps qui étaient bien, mais en tous les cas, whatever, la région, whatever,
la variété de sa virus-là, il est clair qu'il y a la nécessité d'un renforcement du contrôle et de la sécurité à l'aéroport et au port. Mais bizarre, il y a aussi, parce que le virus est quand même, parce que mais Rodrigue, comment Mauricie n'a pas dit qu'il y avait une côte, la côte mauricienne, et le virus est rentré, parce que on t'a dit qu'il est airborne, il n'y a pas qui d'une carte ça. Non, ça c'est bien. Moi, je suis ratant sur la performance de guerre, et heureusement, il finit un wake-up call, ce ton, hier au Parlement, tout ça là, il dit bon, qui est. Final wake up call. Au moins, si la tante n'est pas amie, mon ministre, qui a la capacité de réveiller, il n'a pas d'autre n'est dormi. Are you still in favor of the LRT project? Yes, of course. We've always been in favor. So you said, but as I said, there are big question marks. How do you think it should be handled? As it should. No, we already have this feasibility study from the Singaporeans. But as I said, I'll put a PNQ amongst the first when Parliament meets again. One question comes to your mind. They have instructed the Singaporeans to update their feasibility study. And they had included Heritage City. So now, have they asked the Singaporeans, have you revoked Chico Matlo? Redo it? Revisit? C'est pas si ça a Heritage City? Non, enfin. C'est la même chose, Islands? We are in favor of. We've always been since 2005, and we are in favor of. But there must be also coordination with the so-called road decongestion program. Boda is making a mess of everything. Yeah, there's no way in a small place like Mauritius, the mess that has been developing lately, can carry on developing. We go for the LRT, we go for the road decongestion program, we encourage individual travel by cars especially. We spend billions in the bus companies to develop their fleet. Where's the damn coordination in all that? And in a small place like Mauritius, Boda has been one of the worst failures of that government. Il ne faut pas bien dire ça à cause de Tribouane. Il y a une force. Yes. Pourquoi nous faisons les gros de nous aussi, nous faisons des yes. Si ben on n'a rien d'autre, merci. Bon week-end. Et bonne semaine sans parlement.